Donc ces deux-là qui s'affrontent pour revenir en finale pour affronter Nimai, le perdant s'arrêtant du coup en troisième position. Donc on applaudit quand même Verdigris qui a livré une bataille dantesque pour face à Metaben et qui a dû malheureusement s'arrêter en quatrième position seulement. Même si bon, quatrième position c'est déjà pas mal. Hein. On va c'est très bien. En soi, c'est de l'expérience, c'est du temps pris parce que. Après, on le voyait parfois un peu perdu. Voilà, quand Rano a abusé sur Gilles, il était totalement perdu au début vers Verdigris. Donc, en soi, ça reste. Bon Banjo. Alors, on va partir du coup tout de suite sur Banjo contre Metaben. Donc, qui jouera non pas Ori, mais Krag. On l'avait vu hein, tout à l'heure où. On avait vu clairement tout à l'heure qu'avec Ori, c'était vraiment same. Alors que voilà, avec Krag, Banjo avait roulé sur Metaben. Donc à voir si Metaben va réussir à ce truc. Et le match est déjà lancé. Ouais, le match est déjà lancé. On a et c'est déjà le kill. Et c'est déjà le kill en même pas 15 secondes. Banjo qui conclut ça avec, si je n'abuse, un fer. J'ai un doute entre faire et faire. Il a fini avec un fer offstage. Ouais, nickel. Mais s'il se fait à chaque fois voter comme ça, ça risque d'être très très compliqué pour Metaben. Et voilà, il est encore offstage, c'est dangereux. Ok, la langue qui réussira. Trouvé, ceci dit, pour revenir, mais le pari S-Mage qui est trouvé à 80%, c'est déjà dangereux sur cette map qui n'est pas spécialement grande. J'aurais tendance à penser que le match-up est ceci dit pour. Pour Krag, vu que le clan qui est trouvé sur un up smash. Ça, il a très là. Hein. C'est Banjo. Metaben est vraiment perdu dans sa phase de. Le désavantage hein. Face à Banjo, c'est assez dangereux. Dans le sens où c'est quelqu'un qui va être très très agressif, c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien late fall et qui arrive très très bien à maintenir un rythme très élevé. La recovery qui était, je pense, très très juste. Et non, malheureusement, ça ne suffira pas. Banjo qui perd sa première stock, mais Metaben qui est sa dernière stock, déjà 30% de prix. Ça risque c'est ça, après voilà. Sur ce match-up, si Metaben veut vraiment abuser, vraiment l'edgeguard va être très très important, je pense. Je pense aussi, ça doit chercher le dip de lobby. On a une très belle phase. Oh, l'air dodge qui permettra à Banjo de survivre. Et de reverse totalement la situation. Il y a encore la langue et. Ok, ça. Le smash qui sera mal timé permettra à Metaben de survivre. Et le caillou qui est très bien positionné, ça permet de. Ça permet de cover une partie des options de Rico de Rano. Et Metaben qui arrive à conclure une magnifique phase avec son smash pour. Pour établir l'équilibre des stocks, mais à 110%, ça risque d'être compliqué. Surtout quand ça commence une phase. Ok, le nerf. Et le fer qui est trouvé de la part de Banjovi qui met un terme à ce premier match. Ça, le nerf qui a pile servi pour Gimp et. Il lui suffisait d'attendre une erreur de Metaben. Metaben s'est précipité, il a puni par un fer. C'est ça. On va retourner encore une fois sur Armada, Metaben qui montre qu'il adore ce terrain. A voir ce que ça donne cette fois. Mais encore une fois, je pense pas que le terrain soit particulièrement désavantageux pour Krag. Même si, clairement, on sent que Metaben, il est à la maison, là. Il est chez lui. C'est ça, ça va être beaucoup plus agréable. On voit en déjà plus, le pourcent de Banjo qui monte énormément. Sans qu'il arrive à trouver une seule ouverture pour Metaben. Bah, Metaben arrive vraiment à abuser de son schooling et de son jeu au sol. Il a trouvé tout de suite Banjovi qui perd sa première stock alors que Banjo, que Metaben était qu'à une dizaine de pourcents. Là ça devient dangereux, la phase d'avantage de crack qui est très très forte. Attention, ok le down tilt, dash attack. Ok ça trade, ah il bourre sur un fer qui passera. Allez, là c'est dangereux pour... Non, Banjo qui essaie de cover le landing à coup de smash, mais c'est un peu trop lent pour catch un Rano. Ça, attention, le terre tout perd. Mais Metaben qui est assez magistral hein, sur sa game. Bah,
Bah c'est vraiment, il a conscience des... Banjo, qu'est-ce que tu fais là? Je sais que tu m'écoutes, donc Banjo, il faut pas se suicider, c'est pas bien. Banjo qui vient très 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 loin. Bah vu la situation, Banjo, magnifique faire de la part de Banjo qui prend enfin une stock à Metaben. Vu la situation, Banjo a un avantage déjà dans le set vu qu'il a déjà gagné la première game. Et il peut tenter des choses ballsy, il peut se le permettre en se disant bon bah perdu pour perdu, si ça se trouve ça va pas se passer. Ah, c'est ça, hein. On l'a vu, il a taunt Metaven totalement pour lui montrer, et là on voit un Banjo voilà, beaucoup plus carré, hein. Il ferme l'espace avec... Très très beau smash, Banjo qui voilà, a plus du tout se faire toucher. C'est ça, bah en neutral il fermait, il empêchait la venue au sol de Metaven avec, et après il avait juste à courir par un fer parce qu'à chaque fois Metaven pouvait. Le caillou qui touche into upper, c'était magnifique. Le upper qui est un outil de kill de crack qui est un peu sous-estimé, je pense. C'est très dangereux. La situation est claire. Il a récupéré son premier, donc c'est bon, ça va aller. Non, il avait touché le sol, effectivement. Ouais, il avait touché le sol, donc ça allait. Donc il est dans une situation mauvaise, mais sur une bonne phase, il peut totalement revenir. De toute façon, il nous a clairement montré la petite douille au caillou to Don B. Alors, un autre Don B qui vraiment. Mais Taven n'arrive pas à approcher. Et. Le smash qui est trouvé, est en train de jouer. La phase de désavantage qui est très dangereuse, le SMH qui est trouvé une deuxième fois. Banjo qui a transformé sa situation en une game. C'était très risqué. Et pourtant, il l'a fait. Banjo qui était magistral du coup. C'est félicitations à toi, Banjo. C'est ça, hein, il a totalement puni... comment dire, Banjo a totalement puni les approches de Metaven qui étaient toujours, elles étaient toujours d'une certaine manière, et il se précipitait souvent en fait. Il prenait pas le temps de poser le neutral, d'abuser un peu de ses neutral B pour voilà, trouver la bonne façon d'arriver sur Banjo. Et voilà, Banjo punissait, et le punish game de Banjo était impeccable avec voilà, le fameux setup au caillou que tu nous as. Qui nous a fait. Donc ça a retourné à la game. C'est ça. On va partir du coup sur la game 3. Cette fois sur la map de Shovel Knight, encore une fois. Donc il me semble que Banjo aime bien cette map en plus. Mais Metaben a aussi montré qu'il était tout à fait capable d'être très très bon là-dessus. Le début qui est légèrement pour Metaben, qui montre une meilleure maîtrise peut-être des plateformes. Mais Banjo qui a juste besoin de temps pour s'habituer peut-être. On va voir ça tout de suite. Le fer qui est trouvé instantanément. Banjo qui arrive okay, vraiment à capitaliser de ces situations d'avantage, le moindre coup porté étant déjà extrêmement violent. C'est vraiment la force de Kai. Hein, les deux sont très agressifs, les deux ont des personnages qui tapent vraiment assez fort, hein, entre le nerf de Rano et son backer, et à côté on a le fer et le caillou de Krag. Les deux vraiment tapent très fort. Et là, le Banjo V qui lit l'arrivée du Rano et qui punit ça avec un smash. Le smash de Krag qui part assez vite finalement pour compte tenu des autres coups de ce personnage. Et qui envoie ma foi plutôt loin. Même si attention, c'est très dangereux. Il a voulu aller vers le bas. Banjo a bien fait d'attendre. Qui lui a permis de punir. Malheureusement, ça ne passera pas. F-tilt, il veut en faire, il ne sera pas touché. Attention, là dans cette situation, ça peut être dangereux. Voilà. Le caillou qui a arrêté le neutral B, ce qui est plutôt intéressant. Encore une fois, le smash qui est trouvé sous cette plateforme pour tuer. Excusez-moi. C'est. Metaben qui est dans la panade là. Avec une stock à 2, un très très beau kill sous-sisti qui est trouvé sur le fer de Rano. Et en fait, il capitalise. Ce qui se passe, c'est que Banjo, chaque petite deckstand que Metaven prend, que Metaven a tendance à très souvent prendre, Banjo les voit, Banjo les punit. Et comme chacune de ses punitions est très très forte, et ben ça change totalement la donne.
Et on voit bien clairement que Banjo là-dessus était un peu au-dessus de Eclair et de Metaben. Hein. Parce que attention, c'est dangereux, faire. Le smash encore une fois à l'edge. Ok, le caillou, ouais. Zay, il pensait. Point de Banjo Viti clos ce petit BO5. Metaben qui finit du coup 3ème.